Salut à tous et à toutes, c'est Crystal et bienvenue dans Scribble Not Unlimited. Alors, ce petit jeu, déjà vous le voyez là, vous dites oulala, qu'est-ce que c'est, ça a l'air vraiment enfantin, mais détrompez-vous, je vais essayer de vous démontrer que ce jeu cache un concept vraiment original, du moins qui m'a plu, et je sais que ça fait à peu près une semaine que j'ai pas fait de vidéo, mais là aujourd'hui je m'attarde sur un petit jeu que vous trouverez sur Steam et actuellement dans le dernier pack Humble Bundle. Pour ceux qui connaissent, pour un prix dérisoire, vous allez pouvoir avoir ce jeu avec 6 autres jeux, dont Batman, Fear, etc. Je ne manquerai pas, bien entendu, de faire des vidéos sur ces jeux-là. Bref, revenons-en à Scribblenauts Unlimited. Alors, le concept de ce jeu, vous allez avoir des défis, et pour résoudre des défis, eh bien, il va falloir les résoudre par les mots, par la création de mots, d'adjectifs, d'objets. Alors, j'essaie de vous montrer cela tout de suite. Alors, est-ce qu'on monte dans l'immeuble directement? Là, il y a un tag, par exemple. Alors, si je clique sur le tag, il est marqué « tellement disgracieux ». Alors, comme vous l'aurez compris, le défi, il est marqué « tellement disgracieux ». Il va falloir, à mon avis, le faire disparaître, ce tag. Alors, je me trouve, petite parenthèse, je me trouve au début du jeu. Donc, les défis sont de plus en plus durs, disons ça comme cela. Donc, certainement que je referai une vidéo un petit peu plus tard pour vous expliquer... pour vous montrer surtout des défis un petit peu loufoques, car oui, ce jeu ne se désigne pas qu'à des enfants. Oula, loin de là, il faut avoir quand même pas mal d'imagination et beaucoup de logique. Alors, bon, bref, là, vous avez un tag. On va essayer d'écrire un mot pour couvrir ce tag. Alors, je pense qu'on va mettre de la peinture, art ou matériaux. Matériaux, voilà, j'ai ça. Alors, on le pose. Et si je fais ajouter ici, tac. Il veut pas l'utiliser. Peindre, voilà. Ok, d'accord, le mec il peint deux arbres. Artiste urbain, voilà, j'ai débloqué un petit truc. Et c'est un petit peu comme, comme dans certains jeux, c'est un jeu de plateforme où vous récupérez des étoiles et ça vous permet de débloquer comment dire, de nouveaux chemins, de nouveaux bâtiments, de nouvelles villes à découvrir. Alors on va essayer de se... Tiens, on va rentrer dans le musée. La galerie, virgule. Allez, go! C'est parti, on va aller voir un petit peu ce que nous regorge cette galerie virgule. Je pense qu'on peut s'amuser. Franchement, au niveau des mots, on peut écrire un petit peu n'importe quoi. Le dictionnaire est assez varié. Alors certes, le jeu est à la base en anglais, donc vous comprenez que si je joue en anglais, j'allais pouvoir bénéficier d'une plus ample inventaire de mots. Mais c'est pas grave, on est en français. Alors, qu'est-ce qu'elle me veut, la madame? Un de ces artefacts est frauduleux. Aidez-moi à trouver lequel. Oula. Ces artefacts? Écoute, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai besoin de quelque chose pour faire tenir ces os ensemble. Alors, elle a besoin de quelque chose pour faire tenir ses os. On va mettre peut-être de la colle. Yeah! Regardez que d'eau! Oh, c'est magnifique! Alors voilà, tout le système du jeu repose sur votre imagination. Créer des mots pour subvenir aux besoins de ces petits personnages qui sont dans le jeu. Wow! Regardez! Un pingouin voleur ninja qui s'est mis un petit sac rouge pour me ressembler sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut? Avec un réacteur dans le dos, alors c'est un gros rouge à lèvres. Aidez-moi à passer le gardien et la caméra de sécurité pour que je puisse reprendre mon diamant. Mais quel voleur! Quel voleur! Alors, on va essayer de lui... Il veut que je l'aide. Ah, c'est pas une cape. Allez. Moi, je veux pas qu'il porte, c'est pour lui. Tu vas content? Bon. Je sais pas ce qu'il veut. Le voler, non, ça m'étonnerait. Bref, on va voir le policier. Le policier! Eh oh, monsieur! Monsieur, il y a un pingouin derrière! Au con... Ah, d'accord, le mec il veut passer ça et ça. Ouais, bon. Vous avez vu que les défis sont assez, assez variés, c'est pas si facile, hein, surtout en live, de se concentrer. Alors la fille sur cette toile semble bien seule. Eh bien, on va rajouter. Un dessin. Alors regardez, on va faire un dessin. Cadre, feuille. On va mettre le dessin là. What the fuck?
Oh my god, ça a marché. Si je voulais vous montrer qu'à partir d'un objet que vous venez de créer, par exemple, je peux créer un t-shirt, et en cliquant sur le t-shirt, vous pouvez ajouter un adjectif, alors un t-shirt monstrueux, un t-shirt rouge, etc. Donc c'est vrai que les possibilités dans ce jeu sont assez énormes et vraiment incroyables. Alors, lui, est-ce qu'il... termine mon exposition. Qu'est-ce que mon exposition? Le tableau, là? Je sais pas, moi, je vais mettre un bateau. Non? Hop! Allez, il est content! Le meilleur des mondes! Yeah! Alors, pour le moment, c'est des défis qui sont relativement, je pense, simples dans la création des mots. Mais, alors, termine mon exposition. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus loufoque cette fois-ci. C'est Cléopâtre, elle veut que je termine cette position. Cette position. Non, 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 cette exposition. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Une momie, t'es. On va essayer une momie. Yeah, la reine du Nil, la momie est posée un petit peu en l'air comme ça, ça va très bien. Alors lui, ouais, le père Fouras, qu'est-ce qu'il veut? Termine mon exposition, on va te foutre un alien. Et tu vas être, hop là. What the fuck? Je crois que l'alien ça a pas trop... Oh, il est pas content, ouh, il est pas content. Ah ouais, ouais, le mec il est pas très content. Ah, on peut dézoomer, ok, d'accord. Alors, son exposition, qu'est-ce qu'il veut? Puis qu'est-ce qu'il veut? Une invention. Alors voilà, quand le dictionnaire il sait pas trop ce que vous voulez dire, il vous propose certains mots comme iguanodon. Allez, on va mettre un iguanodon. Oh my god! Le papy sur l'iguanodon. Et il est pas content. Non? Non, il a pas l'air d'être content. Hop! Le papy, s'il pouvait redescendre, il est un petit peu en lévitation. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait, ce mec? À votre avis, qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, moi, une. Il va pas me casser les pieds celui-là. Il est pas content, il veut pas de tomates. Hop, on va récupérer ça, le mettre à la poubelle. Bon, on va passer au suivant. Lui, termine mon exposition. Voilà, termine mon exposition. Un chevalier qui sort de la nuit. Alors, il faut savoir que les noms communs ne marchent pas. Et non sous droit d'auteur non plus. En fait, vous pouvez utiliser que des mots du dictionnaire. Alors, il y a la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est le mec? C'est Roméo et Juliette. On va lui mettre... Non, il veut pas. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il y avait une épée tout à l'heure. Il veut se battre. En mettre ennemi. Méchant. What the fuck? Non, n'aie pas peur, on se calme. Mais je sais pas ce que tu veux en fait. Alors attendez, laisse-moi réfléchir. Un loup, ça va pas aller. Qu'est-ce qu'il veut la nuit, le mec? Assassin's Creed, il veut un jeu vidéo, je sais pas moi, il veut une console, il veut, je sais pas moi, il veut un bonbon pour le calmer, caramel. Bon, t'es sérieux, il veut pas ça. Bon bref, on va passer à autre chose. Lui, bonjour papy, reste en l'air, t'es très bien comme ça. Et on va aller en dehors de la ville pour vous faire un petit peu découvrir le reste. J'espère que pour le moment vous appréciez cette vidéo. Regardez le pingouin, hop. Oula, il y a un petit là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qui plaira sûrement aux visiteurs du musée. Allez, écoutez, un petit défi, c'est parti. Client minutieux, c'est parti. Alors. What? C'est la journée d'ouverture du musée. Place quelque chose à l'intérieur des cadres qui sera plaire aux visiteurs du musée. Mais qui c'est ce visiteur là? Burning Man. Place un objet que je trouverai artistique à l'intérieur du cadre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez le cochon posé là. Une tirelire. Oh, ok, c'est plus une tirelire, ouais. Donc le mec, Burning Man, il faut lui faire plaisir. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Burning Man, c'est un mec qui aime le feu, quoi. Putain, c'est anglais de fou. Essayons d'être original. Allez, on va se mettre à côté, regardez. Je vais essayer de faire quelque chose. Je suis pas sûr que ça marche, hein. Tac, hop, et là on va faire utiliser le calepin, ajouter un objectif feu. Merde, mercredi enflammé. Et voilà, il est content, j'ai foutu un oiseau enflammé, le mec. Oh, c'est super, c'est de l'art. Voilà quelqu'un d'autre qui arrive. Qu'est-ce que ce visiteur aimerait voir? Place-le dans le cadre.
Une momie. Alors, un pharaon. Un poisson, non? Un dirigeant? Hop! Yeah, il est content la momie! Et il repart, il est en pleine forme! Moi j'adore ce petit jeu, franchement, ça nous fait un petit peu travailler notre esprit. De manière quand même un peu plus, comment dire, un peu plus poussée que certains jeux. Alors, le prochain visiteur arrive, quelque chose dans le cadre pour qu'il lui plaira. Alors, le mec c'est un fantôme, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Un fantôme. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? J'allais mettre un vampire, mais là, mon imagination, je vais pas chercher bien loin. Mort-vivant. Regarde, ouais, voilà, il est content. Bon, on va essayer la prochaine d'être un petit peu plus foufou. Le dernier visiteur arrive, ok, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Homme invisible. Alors, si. Alors, ce qu'on va faire, une. Allez, un ours. Un ours. Invisible. Yeah. Et là, c'est pas beau ça? Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a gagné une petite étoile qui nous suffit donc de récupérer, qui elle va nous permettre donc de débloquer plusieurs passages par la suite. Là, il servira complètement augmenté parce que les mecs ont apprécié mon exposition. Alors star hit au total, j'en ai que 4, voilà, je débute le jeu, mais je ne manquerai pas à vous faire d'autres vidéos sur ce dernier. Je pense qu'on a tout fait, on va aller voir quand même au fond. Allez, l'autre. Ah non, c'est bon, j'y étais, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, on ressort et puis on va aller voir ce qui se passe dehors pour une nouvelle aventure. Alors, la pauvre voiture, je suis stationné illégalement. Ah ouais, alors là quand même ça commence à être stationné illégalement. On va lui essayer de lui créer quelque chose, des ailes. Pardon, hop. Ça marche pas pour qu'elle s'en... Non, pas moi. Pas moi. Je vais pas te créer des ailes à moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle sorte? Lui, qu'est-ce qu'il me veut? Cafard solitaire. Il veut pas que je l'aide? On va le bichonner. Hop, on le bichonne. Il est content. Il est content. Oh, par contre, allez voir le clown. Allez, 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 moi, je me laisse pas faire. Le clown, il est content. Là, je peux pas monter. Attendez, il me semblait qu'on pouvait aller de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Crée une fontaine pour la ville, place un objet dans l'eau près de l'interrupteur et actionne celui-ci. Alors, crée une fontaine, on va essayer d'être un petit peu... Une poire, fruit, vous allez voir ça. J'ai ma petite idée, on pose la poire, tac, utiliser le calepin, utiliser un objectif. Une poire enragée. Oh là, les gars, attends. Oh merde. Oh. Yeah, une poire enragée. Les mecs, ils balancent dessous. Ils sont complètement malades. Le mec, il a. Ouais, break dance. Yep. Yep, yep. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il a lancé un cristal enragé. Non, c'est moi ça. Pièce de monnaie, on va pas la récupérer. Et un petit. Des petits sous. Alors, lui. Que me veux-tu, mon cher ami? Joue au classique jeu de foire pour gagner des prix. C'est parti. Et je pense que l'on terminera la vidéo sur ce petit défi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Si vous voulez eh bien, d'autres vidéos sur ce jeu, je me ferai bien entendu un plaisir d'en réaliser. Même si j'ai quelques jeux actuellement que je suis en train d'installer. Comme je vous ai dit, Fear, Batman, mais surtout Fear. Vous savez, c'est un FPS survival horror, j'ai envie de dire. Bien sympathique. Alors, lance quelque chose sur les bouteilles, mais ne traverse pas la barrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer? Voilà. Merde, on peut pas la lancer. Comment on fait pour la récupérer? Eh bien là! Non, la mamie. La mamie, ça va pas! On peut pas lancer une mamie! Ah bah écoutez, on va lancer des cailloux. Ça marche pas? Comment il faut faire? Je comprends. Alors, les cailloux, ça ne marche pas. On va y aller un petit peu en mode Rambo. Une grenade à fragmentation. Voilà. Lancer. Oh le beau gosse! Où c'est passé? J'ai tout fait péter.
Et le mec arrive en... Alors lance quelque chose pour faire éclater les ballons sans traverser... Bon, ok, d'accord. La barrière. Bon, écoute, alors cette fois, pour faire péter les ballons, on va lancer un dragon. Mais je pense que ça va pas marcher du tout, du tout, du tout. Oh yeah! Oh, c'est extra, franchement. Vous avez vu un petit peu le concept du jeu et surtout toutes les choses qu'on peut vraiment créer. Alors, on va descendre. Le dragon va le foutre au feu. À la poubelle. Je sais pas très... Il faut le faire descendre, je crois. Il me semble, si je joue rapidement. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va le faire descendre, vous allez voir ça. Animal. Un petit cochon ici. On va faire un cochon mutant. En plus, on va rajouter un adjectif pour vous montrer vraiment que mutant énorme. Hop. Vas-y, cochon mutant. Oh, il a monté direct, il a eu peur. Ah, j'adore, franchement, j'adore ce petit jeu. Allez, on récupère cette étoile, on va descendre de notre monture, on va la foutre à la poubelle, c'est pas très beau. Hop. Breakdance. Jeu de foire complété. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ah, bien sûr, à acheter le jeu, à aller sur Humble Bundle, le site, si vous voulez profiter de cette offre vraiment exceptionnelle. J'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pardon, sur ma chaîne YouTube. Wake up! What you know about?